Le léopard, la tortue et le rat fouisseur. Le léopard, ayant emprunté des marchandises à la tortue, s'était engagé à les lui rendre dans le plus bref délai. Mais lorsqu'au bout d'un certain temps, la tortue se présenta devant lui pour réclamer le remboursement de ce qu'elle lui avait prêté, le léopard allégua je ne sais quel prétexte pour remettre la chose à plus tard, et ainsi de suite à diverses reprises. Fatiguée de tous ces atermoiements, la tortue s'avisa d'agir par intermédiaire. Elle choisit pour cela les bêtes les plus importantes de la forêt, l'éléphant, l'hippopotame, le buffle, le gorille, etc., pensant que le léopard aurait égard à leur remontrance. Mais rien n'y fit. Le léopard s'obstinait toujours à ne pas vouloir acquitter sa dette. Or, un jour que la tortue se creusait la tête pour trouver le moyen de récupérer ses marchandises, elle vit venir à elle le rat fouisseur, tout disposé à aller trouver le léopard. Après quelques hésitations, la tortue consentit enfin à lui confier la mission qu'il sollicitait, sans trop compter sur sa réussite. Sans perdre de temps, le rat fouisseur se mit à creuser dans le sol une multitude de galeries souterraines aboutissant à l'habitation du léopard, l'une sous la salle à manger, l'autre sous la chambre à coucher, une troisième sous la véranda, d'autres enfin sous la cour et jusque vers le lieu d'aisance. Ce travail terminé, il surveilla les allées et venues du léopard, de manière à se glisser au bon moment à l'endroit exact où celui-ci se trouvait. Puis, de toutes ses forces, il chantait à satiété sous terre. Ta-ta-ta, Mugano Nagibonga, ta-ta-ta, Mugano Nagibonga, eh, les marchandises de la tortue. Ta-ta-ta, Mugano Nagibonga, ta-ta-ta, Mugano Nagibonga. Le léopard s'étendait-il sous sa couchette, il entendait répéter en sous-sol Cha cha cha, Mugano Nagibonga, cha cha cha, Mugano Nagibonga. Se mettait-il à table encore, cha cha cha, Mugano Nagibonga. Prenait-il le frais sous la véranda, toujours, cha cha cha, Mugano Nagibonga. Travaillait-il dans la cour, ou descendait-il le débarcadère, la même rengaine lui revenait aux oreilles, cha cha cha, Mugano Nagibonga. À la cuisine, à la bananerie et jusqu'au lieu d'aisance, partout et toujours. Cha cha cha, Mugano Nagibonga, cha cha cha, Mugano Nagibonga. Et, les marchandises de la tortue. Agacé, obsédé, le malheureux léopard ne savait plus que faire. Et voilà que, comme par hasard, le rat fouisseur se présente à lui. Voyant le léopard tout triste et abattu, il feint d'en ignorer le motif et lui exprime son étonnement. Le léopard lui raconte alors son affaire tout au long et lui demande conseil. « Comment ferais-tu si tu étais à ma place ?»« À ta place, lui répond le rat fouisseur. Mais c'est bien simple. Je rembourserai tout de suite les marchandises que réclame la tortue et ainsi j'aurai la paix. »« Tu as raison, dit le léopard.
Voici les marchandises que je dois à la tortue, prends-les et rapporte-les lui. Ainsi fut fait, et le petit rafouisseur réussit là où les plus grosses bêtes de la forêt avaient échoué. Yeah,